Salut à tous, c'est Gros, on se retrouve pour la suite du Let's Play de Dark Souls 3. J'ai deux vidéos d'avance, je vous le dis tout de suite. Donc les derniers commentaires des deux vidéos précédentes, je les lis pas. Parce qu'en fait là je profite du fait que j'ai un peu de temps pour faire des vidéos. Sinon après je vais me retrouver à la traîne et il y aura pas des vidéos tous les jours. Caméra qui s'éloigne, est-ce que c'est juste... Oh putain, il y a un château qui monte là-haut. J'ai tellement envie d'explorer cet endroit. Il y a pas un petit boss là. Ok, on va courir je suppose. C'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ce qu'avait l'air de dire les signes l'autre fois, vraiment je m'en suis rappelé. Alors. Calmons-nous. Tu peux pas entrer, c'est ça? Ok. Bon, y'a du loot juste là. Attends, tu peux guide good? Ah, mais je vais te tuer comme ça? C'est honteux. Ah non, tu t'en vas. Je me disais aussi. C'est tellement pas correct. Os du retour. Merci pour ce loot. Ok. Y a un autre feu déjà. Il y a des feux de partout. Faut que j'essaie de tuer ce monstre quand même, non? J'ai envie d'essayer. Je vais me faire défoncer, mais j'ai envie. Oui, du coup. Tout des chaînes bleu clair. Ça fait quoi ça? Je voulais dire, je sais pas en fait si je vais utiliser l'espadon de Pharaon. Parce que c'est vrai que moi, l'espadon d'exilé m'avait laissé un bon souvenir aussi. C'était celui-là. Bon, il pèse plus lourd, mais il tape plus fort, j'ai l'impression. Et surtout, il demande des fragments de titanite normaux. Plutôt que lui, il demande des trucs de boss, là, enfin spécial pour les armes de boss. Des objets de craft vraiment rares. Donc bon, si j'arrive à 24 en force, je commencerai à utiliser l'espadon d'exilé. Et puis après, pourquoi pas changer pour l'espadon de Pharaon. Mais ouais, c'est vrai que ça me tentait bien, cette idée. Et moi, ce feu. On va le tenter une fois, l'ennemi du pont, histoire de me faire défoncer. Je vais aller là, je suppose, pour qu'il respawn. Je le sens pas, je le sens pas, mais bon. Un homme doit vivre avec ses choix. Je sens que je vais me faire défoncer là avec mon arme qui est peut-être pas assez assez bien améliorée. Donc on verra si je suis forcé d'améliorer une autre arme. Ce serait terrible. J'ai combien en force? Je vais avoir 19. 18. 18. Il faudrait que je trouve un anneau qui augmente ma force pour apporter rapidement l'espadon d'exilé parce que. D'où il sort? J'ai envie de voir d'où il sort. Tu sors qu'une fois? Ah ouais, merde. Bon bah il sort qu'une fois, au moins ça nous aura permis de voir la vue, mais... Permis de voir la vue, oui. Tout à fait. Un peu de loot là. Je vais pas louper, sinon je vais me faire descendre dans les commentaires chiant. Il était juste là. Je sais que j'avais loupé un loot à un moment, on me l'a dit. Mais bon, guerrier épuisé, tiens. Vu où c'était, à moins qu'on me dise que c'est vraiment un truc important, j'y retournerai pas quoi. Enfin pas tout de suite en tout cas. Je peux aller que... D'accord. Ok, je peux aller que là-bas en fait. Je me disais, il doit y avoir plusieurs passages. Non, non, il y a juste un escalier pour toi. Allez, mange ta linéarité s'il te plaît. D'accord. Voilà. Ouais, c'est particulièrement moche là. Particulièrement mal modélisé, disons. Il y a toujours des endroits comme ça dans ces... Alors ça, je suis sûr à 100% que c'est pas un spectre de joueur. Hein. Ah là où il y en a un, et là il y a celui-là, il va où? Ah, il a disparu. Ok, bon bah je vais aller défoncer l'autre au-dessus alors. Ou l'inverse. En tout cas, un ou deux ne survivra pas cette nuit. Ah, c'est des talons hauts, j'entends. Et elle m'a entendu... Ah, c'est pas du tout le cri que j'attendais de ta part. Je m'attendais à un truc un peu plus raffiné quoi. Ça par contre je m'attendais à ce que tu bouges à 2000. Ah mais c'est pas elle qui fait du bruit. Ou lui qui porte des talons. Ok, là il fallait que je joue l'esquive sinon j'étais mort, mort, mort. Ok, ok, alors les combos à 1000 coups, on va se calmer. Ouais bah d'accord, ok. Ouais ouais. Ok, 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 ok. Ça me donne qu'une seule envie, c'est de le défoncer. Bon. On va voir les dégâts que je lui fais, mais il y a encore ce fantôme là. Là-bas il y a un truc qui est enfermé, non? C'est quoi? Encore lui là-bas? Ouverture impossible de ce côté. Je sais pas pourquoi je m'en doutais de ça. Hein. Nimbo, cool design. Oh, oh, oh. Allez! Du coup j'avais pas réussi à la faire. Ah, t'as pas beaucoup de PV! Ça j'aime bien. Qu'il y ait une contrepartie qui soit pas totalement pétée. Allez vite! Oh!
Non. Putain, je m'étais surpassé pourtant. Ah merde. Oh, mais elle avait plus de PV. Alors forcément, ça donnait envie de taper là. C'est ce que j'ai fait quoi. J'ai un gros problème d'endurance avec cette épée. Elle bouffe mon endurance. Vu qu'en plus, je joue avec beaucoup de roulades. C'est un peu chiant. Allez, reviens. Tu vas me dire si tu préfères que je sorte les POP de casu ou tu vas accepter ton destin là. Moi, elle a la même épée que moi. Hein. Ouais, c'est la même épée. On joue à armes égales. Là, j'ai plus d'endurance. C'est très mal joué, oui. Wouh! Et pourtant, regardez, il s'en sort avec brio. Alors, toi, tu m'as tellement gonflé quoi. Tu peux m'en lâcher une autre d'épée comme ça. Armure de chevalier du grand maître. Bah, ça va, j'ai pas trop de chance. Je pense pas que c'est un drop fixe, ça. Alors. Où est-ce que c'est? Parce qu'elle était assez classe. Bon, elle est nulle, mais... Ah ouais! Bah, j'aime bien lire du lore, hein. Merci. Une aura froide émagne. Émagne, oui. Résistance au gif de taré, j'arrive pas à parler. Oh, je suis nul comme ça, mais bon, c'est parce que j'ai pas le set complet, aussi. Donc comme ça, c'est vrai que je suis particulièrement hideux. On va mettre celle-là, et pourquoi pas aussi... Ah non, c'est bien pour le gif, celle-là, quand même. Ouais, ça vaut pas trop le coup de changer de casque. J'allais dire autant maximiser ma défense, puisqu'ils ont l'air de faire beaucoup de dégâts. Ok. Heureusement qu'il y a eu le petit truc marqué attention signe. Enfin, attention droite plutôt. Putain, j'arrive pas là, j'arrive pas. D'accord, un à la fois par contre. Hein. Ok, je croyais que t'allais être une sorte de mage, mais pas du tout. C'est comme les autres. Comme les autres, tu finis à terre. Allez, salut, toi, viens. T'as même pas de talons là, pour qui tu te prends? Ah mais ça on dirait des souliers de paysans. Allez viens là. Elle est géniale cette attaque. Je voulais même pas faire ça, je voulais faire un coup de pied mais ça m'a un peu sauvé la vie. Regardez, hop là, salut. C'est quoi cette portée là? Oh, putain. Attends juste, tu vas me rush là non? Non ça va. D'accord. Attends juste voilà, je me permets hein, du coup. Qu'on se permet des trucs entre nous, on se connaît maintenant. Hop là. Ganté de chevalier du grand maître. Ok. C'est marrant, ils ont la même épée que moi, hein, j'ai l'impression. Vous me dites si je me trompe. Je vais regarder le nom. Je vais regarder le nom de toute manière, on va savoir tout de suite. Voilà, chevalier du grand maître, donc c'est ça. C'est juste étrange que je l'ai eu avant. Ça veut dire que le mec à qui je l'ai acheté, il est venu la voler ici, quoi. C'est dingue. Il est génial ce marchand. Arrête, tu me fais peur toi. Trésor droit devant. Pourquoi tu mens? Putain, les conneries de ce jeu là, j'en peux plus de ces joueurs. Push it to the limit? Non, y'a que dalle. Dieu sait que je l'ai pushé à la limite. Ah, qu'est-ce que c'est des chiens encore? Des esclaves locaux? Low cost? J'ai cru un moment qu'ils avaient résisté à mon attaque et que j'allais être dans la merde. Mais ça va. Ils se sont brisés. Putain, y'a pas un message à la con essayé par derrière ou je sais pas quoi là. Ça m'aurait pas trop surpris. Ça m'aurait pas trop surprenant. Je crois qu'on va faire une compile de... des fautes de français que je fais rien que dans cette vidéo, c'est génial. Enfin, des erreurs de prononciation. Attendez juste, elle m'a drop. Pendant un temps, accélère fortement la récupération de constitution. D'accord, une différence maintenant entre les fleurs vertes et fleurs vertes bourgeonnantes. D'accord. Ok, ouais, avec le bouclier et l'anneau, c'est pas assez. Il y a partout. Hein. Je peux pas les prendre là, ils sont trop nombreux en fait. Il faut que je les tue parce que bon. Il faudrait chier de faire une zone en ayant esquivé des ennemis parce que je suis un lâche. Ah putain, le troisième, je l'ai vu venir. Ah, et du coup, c'est la débordade. Vous faites quand même nettement moins de dégâts que votre maître aveugle là. Attends juste. Non. C'est bon? Tu feras gaffe, hein, t'as perdu tes enfants là. Qu'est-ce que c'est que ça? Il était en train de faire une purification de la ville ou quoi? Holy shit! J'ai même pas voulu l'esquiver, je savais pas que ça allait faire ça et pourtant. Ah, je suis con. Bizarre les dégâts que ça me fait par rapport à la... Quel point le truc est impressionnant. Ouh! J'ai bien fait de le combattre lui, parce que rien que pour le niveau de lassitude de la personne, je suis content.
sais pas comment il m'a loupé, mais il l'a fait. Il paye le prix. Salut. Hop là, j'adore cette attaque. On reste à terre. Oh, il se met pas à terre lui. Pour qui il se prend là? Moi je meurs pas comme ça quoi, j'aimerais bien mourir comme ça aussi. C'est une autre classe hein, c'est autre chose. Ok ouais, non. D'accord. Ok. Ok, je savais pas lesquels cibler, je voulais cibler les deux et du coup j'ai ciblé au milieu. Pas mal hein. T'as eu de la chance que j'ai pas eu le temps toi. Dégage, oh. Je joue mal. Mais écoutez, regardez, c'est à ce moment là que je commence. Hop là. Voilà. Ah bah oui, je joue pas équitablement avec eux, je m'en fous. Je leur dois aucun respect à ces gens là. Y'a du loot dans la neige, j'ai presque pas vu. Toutes les chaînes bleu clair, ça continue ces conneries. Mais d'où? Ah, de là-bas. Très bien. Moi qui voulais regarder les chaînes bleu clair une deuxième fois. Parce que je sais pas si j'ai regardé tout à l'heure au final, donc il faudrait. Non, non, attends. Attends, oh! Je vais essayer d'aller vers la... Oh, il y en a deux à droite. Tiens, je t'avais même pas vu, toi. Non, 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 non! Mais alors, c'est jamais arrivé, mais si vous les laissez trop longtemps comme ça dans un coin, après, ils vont juste disparaître. Et adieu ma titanite scintillante. Ah, je la vois en bas, c'est là moi que je veux aller. À la porte où il y a marqué ouverture impossible de ce côté là. Bon, c'est pas par ici. Non. Ouais, je vais pas les provoquer parce qu'elles sont deux pour l'instant là, ça me fait un peu chier de mourir ici. Non mais ça va, je peux aller quelque part là, dans ce jeu. Oui, vous êtes là, vous c'est bien. Là-haut flippant. Feu droit devant, voilà. Après je vais pouvoir faire n'importe quoi dans la zone. Dès que j'aurai eu le feu. Il y a un passage. Mais je veux le feu. Il est là-dedans. C'est droite. Salut. Si attaque plongeante. Non mais moi je veux essayer feu surtout. Pour l'instant hein. Pas de gros tas en vue. Tu peux? Il y a un PNJ à droite. Ah, mais c'est l'autre encore. On le connaît si bien maintenant, lui. Il a fait son deuil de Horace. Il tord juste. Hop là. Hello. Oh, I thought it might be you. Good to see you. I never managed to find Horace. C'est pauvre. But my duty must be done. Even alone, as an unkindled Lord Seeker. For the children I knew, bless their souls. We all have our reasons, don't we? Please, take this. Recompense, and also a token of protection. Ah, you are brave indeed. I would do well to learn from you. May the flames guide your... Oh là 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 là. Ah, you are up, may the... Je t'adore toi. Alors attends, mon brave. Néo de l'œil maléfique, c'est pas le truc qui permet de récupérer des PV quand on tape les ennemis ou je sais plus trop comment. Partie des PV de chaque ennemi vaincu, voilà. J'ai bien failli mener Astora à sa perte, mais il fut défait en combat singulier par l'épée d'une âme des plus nobles qui soit. Et la petite emote, je vois ce que c'est, je crois. Faut juste que je la retrouve, hein, c'est tout, calmez-vous. Ah ok, c'est pour se la péter, je crois que je vais mettre ça. À la place de loyauté à la lune noire. Comme ça, je tuerai les boss, et après, je partirai comme ça. Ça leur apprendra, ça leur fera le pied. Preuve d'accord respectée. Preuve d'accord respectée, qu'est-ce que c'est que ces conneries encore? Prouve qu'une sentinelle bleue a tué un esprit sombre. Ça c'est les gens qui viennent aider les autres, vous savez, ces serments où quand vous êtes envahi, il y a une personne qui vient vous aider. D'accord.
Là, je peux aller là, je veux aller là parce que je veux débloquer l'ouverture impossible de ce côté là. Il y a trop de passages. Liste des chevaliers, ça doit être un classement des meilleures sentinelles bleues de la lune noire. Regardez, on va voir les joueurs. Contribution 3003. Je suis pas sûr de ce que ça veut dire pour l'instant, la lune noire, mais ça doit être un covenant qui, je sais pas, envahit les gens et les défonce dans une certaine zone peut-être. Ah, c'est comme ça, on veut me piéger. C'est quoi cette petite dague là? T'es mignonne ma petite, mais meurs. Je t'avais même pas vu toi. Pourtant je regardais droit dans sa direction. Âme vacillante quoi. Merci. Merci pour tout. Je peux aller là-bas, je vais y aller du coup. Ah, j'ai l'impression de laisser plein de passages là. J'entends des bruits de pas. Âme vacillante. Essayez derrière. Ouais, bah le temps que je lise ton message, du coup, j'ai pas fait mon backstab. C'est vrai que je m'en sors bien. Os du retour, hein, merci. Super. En plus, juste à côté du feu, bande de trolls. Fragment d'os de mon vivant, ça par contre. Essayez au-dessus. Il y a un signe dans le vide là-haut. Il y a un signe dans le vide. Ok, donc peut-être qu'il y aura un pont invisible là-bas. Je ne me prononcerai pas là-dessus parce que je ne sais pas finalement. Moi je vais repartir par là. Ouais, j'ai vu tes yeux dans les ténèbres. Reprends. Surprends pas. Attention, attaque dans le dos. Non, je l'ai vu. Ouh, un dodge. Deux dodges. J'aime pas ça les dodges dans ces jeux là, c'est trop dangereux. Non. Bon bah je suis dead non. Ils ont des masques ou c'est moi? Bon alors attends. Attends. Chut, mon petit dodge. Merde, j'en ai utilisé deux, je pense pas que ça allait me redonner autant. Ouh, je t'ai chopé au vol. Vachement terne cette ville. Il est où? Je suppose que c'est fait exprès. Oh. Il m'a contourné là. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, il est trop intelligent ce... Fuck you. On va jouer avec la tombe parce que... Ah, oh, mais il passe à côté, c'est dingue. Ah oh, mon dieu. Mort cette gueule que vous avez là, j'arrive pas à voir, c'est un crâne qu'ils ont. Je sais pas. Foudrage. Oula, je descends n'importe comment. Bien sûr que j'ai récupéré le loot, maintenant je vais pas souffrir pour rien. La merde. Et en plus il y en a un autre. Ouh, t'as pas eu de chance. Toutes tes esquives là, tu t'es tapé un mur. C'est bon? Ah ça là, attendez. Pas du tout. Et c'est nul en plus quoi. Cet éclairage. Juste. Ah, c'est décevant. Cette ville est décevante pour l'instant. Niveau du loot hein, bien sûr. Niveau de je me fais botter le cul, elle est pas mal. Ah, ténèbres en vue, bref, torche nécessaire. C'est marrant que tu dis ça parce que... Bah merde, je l'ai plus équipé mais... Je vais la ressortir, je suppose. Voilà. Salut. Il y en a 1000 en bas là. On dirait les humanités de du DLC de Dark Souls 1. Ah mais là, je vais me faire défoncer. Je vois qu'il y a un coffre en haut, ça doit être un faux bien sûr. Il faut que je saute parfaitement. Ah non, il faut que je passe par là-bas. Et si je saute bien là? J'ai failli le faire. Ah bah dead. Ah mais vous êtes au sol, facile. Ah putain, sorti des ténèbres. Oh, oh, je vous avais bien tenu en respect là, acceptez votre défaite un peu. Dead. Est-ce qu'on mérite ça? Mais non! Me faire tuer par un truc qui a même plus de jambes là. Puis le médicinal bleu, génial. Salut toi. Oh! Ah non, j'ai cru que j'avais cassé un bout de mur et pas du tout, c'est juste du sang.
On peut courir en brandissant la torche. Ça joue à rien là. Je suis pas morte, mais c'est incroyable ça. C'est la mentalité quoi qui me déçoit. Oh, elle m'a touché. Attends, mais elle est où l'autre là que j'avais commencé à tuer? Elle est là. Oh là, ma vie, tiens, je l'avais pas vu. Oh putain, mais non, 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 oh! Vous êtes chiante. Est-ce que ça aime pas le feu, ça? Je sais pas, mais ça crame. Voilà. On va en rester là. Oh, je t'ai même pas vu. J'ai fait une roulade au pif. Ça a fonctionné. Arrêtez. Arrêtez. Putain, c'est dingue, ça. Attends, alors toi, juste... Voilà, toi, tu vas te calmer, par contre. Je te laisse même pas le temps de commencer, comme vous êtes chiante. Ah, il faut le dire, elles sont chiantes, hein. Ça va, on va pas prendre des gants non plus avec tout le monde. Oula, oula, mes yeux, là. Arrêtez de... Ok. Ah, il y a du loot, là. Pierre de confession, d'accord, c'est un truc pour craft. Là-bas, il y a un mur peut-être invisible. On va aller voir. Mur de brouillard droit devant. Quel gros mytho, c'est incroyable. Il y a combien de gemmes? 38. C'est sûrement un truc de pute parce que moi je suis vraiment vu là en me disant ouais, il y aura peut-être un mur du coup vu qu'il y a un signe. Et non, encore une fois. Bienvenue dans Troll Souls. Si il y a un ennemi ici. Pas folle la break, je descends avant. Trésor droit devant, ouais. A plus. Y'a pas intérêt. Lance de Yorshka. D'accord. Quittez Yorshka, on va la prendre bientôt. Vous êtes prêts à prendre quitter Yorshka? Je vous entends pas là. Oui, capitaine. Alors Yorshka, les enfants, approchez-vous. C'était en fait un truc de l'église de Yorshka. Ce trésor a été enchanté à l'aide d'un charme soporifique. Elle fait littéralement l'objet d'un culte parmi les esclaves d'Irithyll. C'est marrant comme arme. Je peux déjà l'utiliser. Elle fait pas de dégâts par contre, attention. Ah oui, d'accord, mais elle fait un mètre quoi. Je fais ça, j'utilise comme un marteau, non? Ils disent peut aussi bien être utilisé comme un marteau. Et à quoi j'ai le droit moi? Pas de marteau. Et je les buff de toute évidence. Bon, le buff est classe. Et qu'est-ce que ça fait du coup? Une posture de prière qui réduit temporairement les PV de l'adversaire à chaque coup. Ouais, c'est ce que ça fait en général une arme. Ça réduit les PV de l'adversaire. Ouh. Là. Là je vais descendre. Parce que j'ai pas fini de fouiller. Ah, salut. Je peux descendre trop bas là. Avec l'autre truc, je descendais là, c'est ça? Il y avait pas de loot là, dites-moi. Non. Là, il y a un passage, on sait pas trop à quoi il sert celui-là là. Regardez-moi ça. Pourquoi ils construisent ça dans leur ville? Je comprends pas ces gens-là. Ça, j'ai pas mal de portée quand même. Plus que ce que je pense des fois, mais. Merci. Gemme sanglante. Est-ce que j'en avais de ça? Non, j'en avais pas. J'ai envie de créer une arme sanglante. C'est quoi une arme sanglante? Blessure ouverte. D'accord. Donc c'est pour l'hémorragie, c'est ça? Mais c'est trop grand! C'est dingue! Vision de l'illusion. Attends toi juste. Non, reste là. T'as tout intérêt à rester là. Voilà, merci. Il avait aucune chance quoi, j'ai spawn dans son dos, c'était cruel. Bon. J'ai entendu un signe là. D'invocation. Ok, vision de mort. Je sais pas ce qu'il a fait mais ça les a tous énervés là, non?
Ah non, vous faites chier, hein. Arrivez en même temps, quoi. Que je puisse faire quelque chose. Oh. T'as bien aimé, toi, non? Non? Vous êtes où, alors? Ah, putain, mais non! Je vais me faire tuer. C'est incroyable, ça. Des fois, je vois plus leurs yeux. C'est peut-être fait exprès, mais... Oh, j'avais le bouclier levé. J'étais juste pas tourné dans le bon sens. C'est cruel. Ils font trop de dégâts, ces merdes-là. Y'a quoi, là? Là, on peut avoir des murs d'illusoires de partout. Des merdes d'illusoires, là. J'ai moitié dit ça, hein. Des murs d'illusoires de partout. Pas de passage dérobé. Ouais, mais c'est l'éclairage, là, qui trompe. Là, je peux descendre. J'entends derrière moi. Non. Ouais, alors toi tu vas te calmer ma brave. Voilà. J'aime sanglante, j'en avais déjà drop une. Et d'accord. Ça avait pas le coup de perdre autant de vie. Quoique j'aime sanglante, ça se trouve. Ok, il y a un ennemi horrible en dessous. Je vais le tester un peu. Déjà on va lui parler, voir ce qu'il dit. Hello. Non. Oh. Hello. Pas de réponse, bonne réponse. Je me prépare à devoir me heal avec mes miracles. Et je vais envoyer une petite bombe sur la courge, on va voir comment il aime ça. Si j'y arrive, bien sûr. Attention, il faut se positionner. Oh, ah, hey. C'est quoi ce truc horrible là? Franchement, j'ai pas sauté dessus, j'aurais fait une crise cardiaque en voyant ce que c'est, l'horreur. L'horreur du truc, quoi. Dingue. En plus, j'ai l'impression qu'il a des pics sur le dos, non? Je vais me faire défoncer, là. Oh non, c'est les marées à la con qu'on voyait d'au-dessus, là. Attendez, je vais retourner en haut, parce que j'ai loupé des endroits, là, j'en suis sûr. Je peux pas me battre contre ça, ici, là. Ah, mais c'est horrible, ces trucs, là. T'as vu, ça me donnait un petit avantage, quand même, de lui sauter dessus. Ah, mais c'est dégueulasse! Et pourtant, je suis habitué à avoir des trucs horribles, quoi. Avec ces jeux-là. Et au sacrificiel. Super. Ah, mais dégueu, 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 quoi. Horrible. Bon, allez. Vas-y, retour. Pas déconner non plus. Enjoy vos cauchemars. J'espère qu'il va en avoir plein dans le marais, ça va être génial. On dirait un espèce d'alien avec des pattes et tout, c'est dégueu, je sais même pas comment les gens ils pensent à ça, quoi. Il a bougé là, bien sûr. Il a pas que ça à faire, rester avec des scrubs comme moi. Là, il y a un passage. Je suis pas allé. Est-ce que je suis allé là? Je crois pas, moi. Est-ce que c'est une bonne chose de pas y aller? Je crois, ouais. Bon. Super. De l'autre côté? Juste si bien celui-là. Ah non, pas d'autre côté. Allez, on peut tenter sa chance. Ouais. Meurs. Meurs, non, non. Ah, merci. C'est vrai qu'ils sont pas venus, les autres. Elles me font de la magie. Oh non, là c'est insupportable, il faut que je fuis. Absolument. Je peux pas rester là. Non, non. Limite, j'ai l'impression que c'est des chevaux quoi, qui me courent après, vu le bruit que ça fait. Ne souffle pas de ce côté. Oh, ça va, on peut plus faire de blagues. Ah, mais t'es toute seule. Mais quelle grave erreur. Non. Mais oh, on peut plus rien dire, là. Susceptible. Oh, je vais tellement te défoncer quand je serai pas à me battre. Ah, loyal. Et que j'arrêterai de faire des roulades n'importe où. Ça, c'est le problème quand on flippe, on commence à faire des roulades. Mais cette attaque, là. Non mais ça va. Bon bah je suis dead. Bientôt. Non mais non, mais oh, depuis quand ils bougent de là-bas, là-haut. Oh, c'est n'importe quoi là. C'est pas une manière d'accueillir les gens. Moi j'ai votre poupée de je sais pas quoi d'Itril là. Je peux m'en poser vraiment, ils sont juste là. Non je peux pas.
D'accord, faire une roulette pour esquiver. C'est ça que tu veux. T'es toute seule là. Bien sûr, c'est pas la même. Allez, enjoy-moi ça. Ou peut-être que c'est la même, je saurais pas dire. Je pourrais être raciste avec ces gens-là, mais. Ça va comme ça? J'ai ma torche dans le dos, sûrement pas. Toi, vengeance, vengeance, vengeance. Non, mais il y en a encore deux, mais ça va, les conneries. Ça aussi, faut arrêter hein, ce sort là, horrible. Non, t'as tapé à côté, alors hâte de continuer ton combo, voyons. Ok, elle, elle a décidé qu'elle allait me drop de trucs. Très bien. Là, je pense que si je m'amuse à poser mon signe pour faire de la coopération, je vais me faire invoquer 1000 fois par seconde. L'autre, il s'en fout totalement de moi, c'est limite insultant. Ah, t'es ce genre-là avec un bouclier. C'est marrant, hein, quand ton pote derrière, tu fais la maline. Ouais. Tu me diras quand t'as d'autres attaques. Petit loot. Grand fragment de titanite. Il va falloir aller dans cet endroit flippant. Ça c'est vraiment le genre d'endroit où le joueur de Soul se dit bon bah je vais peut-être pas y aller, je vois un mur de fumée au fond. Merci pour mes yeux en tout cas. Ah voilà, il est là le piège. Lui il me loupe à chaque fois que ça attaque, il se rend pas compte à quel point c'est ridicule. Contre le nombre de PV que t'as mon brave. Faut que tu meurs, merci. Dommage. Allez, alors, comment est-ce que t'aimes ça, dis-moi. Non, tu m'as jamais touché avec cette attaque, arrête de la faire. Homme de guerrier épuisé. Ah d'accord, et là on rejoint où j'étais au-dessus. Armure de sorcière du feu. D'accord, donc ça c'est une sorcière. Dans la ville du givre, une sorcière utilise le feu. Une grosse musique de synthwave là, nous retrowave. Mais essayez ma brave. Ah, t'as d'autres attaques, d'accord, pardon. J'étais un peu insultant tout à l'heure à propos de ça, je suis désolé. Hop là. C'est parfait pour les baits. Mais non. Pas les conneries là. Maintenant tu meurs. Allez, merci. Gemme de foudre. Bon, je suppose que vous voyez à quoi ça sert. Alors en fait, lol. Oui. Anneau de poigne magique. Ouais, anneau introduit dans le 2, ça. Poigne magique. Améliore les dégâts magiques, mais altère l'absorption des dégâts. Il raconte que pour les âmes en proie au désespoir, cette thématique évoque une main tendue, sans laquelle elle finirait de sombrer. Aussi, j'ai eu quoi d'autre? Gemme de foudre. Gemmas de foudre, Saki. Une arme de foudre, y'a pas un petit lore? Il y a celui de la chasse aux dragons, oui les dragons sont... ont juste été défoncés parce que Gwyn a utilisé le pouvoir de la foudre en fait. Bon, l'histoire du premier était vraiment bien pour ça, il y avait une histoire de trahison et tout ça. Si vous vous rendez compte que tuer des dragons immortels, bon par essence, on se doute d'un truc hein, quand il y a immortel dans le nom. Mais effectivement ils étaient compliqués à tuer les bougres et en fait il a fallu utiliser la foudre. Bon je vais au boss là. Faut que je passe par ailleurs, très bien. Par où je vais vers ce boss alors? Non. Ça marche pas ça copain. Non. Non, réessayez tous. Les scrubs. Non, non. Oui. De toute façon que je vais pas avoir le choix, il va falloir que je passe par en bas là. Non. Et pourtant, si. Bon j'ai 29 000 âmes alors je me suis dit on va quand même les utiliser. Oui c'est ça. Voilà je passe niveau 19. Je vais utiliser aussi les âmes que j'ai sur moi et comme ça je passerai niveau 20 en force. Non mais j'en ai plein en plus. J'en utilise 3 tiens, ça va me faire quoi ça? Ok, bon.
suis peut-être un peu abusé. C'est pas grave. 20. J'ai envie d'essayer d'arriver au niveau 21 avec les âmes que j'ai, forcément. J'en ai 4 en plus de celles, elles ont l'air grosses. Et boum, oh shit. Ok. Effectivement. C'était pas des trucs de d'enfant. Sinon je peux mettre 20 endurance. Vita, 20. Sachant que j'ai plus en force qu'en Vita, c'est bizarre, ça me surprend un peu moi, mais... Je vais peut-être monter ça encore, je vais me faire défoncer rapidement contre les boss. Vous voyez là comme je prends cher contre les ennemis, mais bon. Soit c'est ça, soit on équipera jamais cette arme à la con. Et puis vous savez de toute manière que je suis good. Je veux dire, j'ai pas besoin de guide good, je suis déjà good. Ça, ça m'énerve que ça traîne dans mon inventaire. Merci. Allez, à plus. Petite scrub. J'ai un fragment d'os. Hop là, j'ai mis en mes fioles en plus. Eh oui, eh ben ça, vous y pensiez plus vous, hein, bravo. Salut. Salut à tous, c'est Go. On se retrouve pour un nouveau speedrun. Allez, à plus les scrubs. Trésor droit. Ah, ah mais non. Non mais non non non. Du coup là c'est nul, je suis déjà venu ici. Super. Bon. Courir. Non, chut. Maintenant elles vont bien me suivre toutes dans les marais là. Oui. Pas de loot en face. Bon. Je vais longer les bords tant que je peux. Qu'est-ce qu'ils se cachent dans ces saloperies? Ils sont vraiment cruels hein. Dans celui-là au niveau des... m'a terrifié là. J'aurais bien laissé le son comme il était dans mes oreilles, vous allez comprendre ce que c'est. Oui bah ça va, j'ai compris que tu voulais te battre. C'est pas ridicule mon brave. Ultra classe. Ah ça me déloque. Non. Arrête, arrête. Arrête. Chut. Non mais ça va quoi, ça va. J'ai rien eu le temps de faire là. Ça m'a l'air honnête. J'ai hâte de le recroiser. Connerie. Ok. Donc clairement, ils étaient conscients dans cette ville qu'il y avait ça au bord, vu qu'ils se protégeaient avec une espèce de champ de force. Qui je suppose est traversable que si on a la poupée. En mesure de traverser la barrière, ouais. Donc si j'étais arrivé là sans la poupée, et bah adios. Mes hommes sont là-bas, bordel. Là où ça me fait chier, c'est que j'ai pas l'impression d'avoir une défense trop pourrie non plus. Je la retente ou pas? Dis combien de braises? 12. Faut que j'aille chercher mes âmes dans tous les cas, je peux pas les laisser. Ce serait vraiment avouer que j'ai perdu. Je sais pas où elle sort à chaque fois. Elle attend que ça là. Est-ce que je peux fuir? Non. Du coup là, ma foi s'ébranle. Elle nous laisse un peu le temps là. Je peux pas la jouer en la loquant parce que sinon ça va déloquer, ça va être encore pire. Ouais. Oh là là, mais mon dieu ce combat là. Oh non mais ça va. Alors en fait t'arrêtes pas de me toucher mais tu me fais pas de dégâts, qu'est-ce qui se passe? Non, ça c'est pas juste. Et tu le sais. Ok. Non. Non, non. 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 Oh, mal placé. Non. Oui. Ah. Un maître du mensonge était tellement... en stress. Un œil droit du grand maître. This better be good. Œil gauche, œil droit. Puissance d'écoute tant que dure l'attaque. Ah d'accord. Ouais non. Non non. Je peux en servir de ça. Bon là-bas il y a des monstres horribles, je les vois dans l'eau. Oh là là là, c'est une épreuve celui-là, un peu. Ok, super recoin. J'avais tout intérêt à venir là pour le combat, je suppose. Dire. Qu'est-ce qu'il y a, une petite caverne où
Vous vivez tous ou... Je te vois, hein, sous l'eau. Là-bas, il y a une larve. Je te vois complètement, en fait, hein. C'est un piège, c'est ça? Subtil. Ouais, bah, je m'en fous si vous croyez que... Que je vais reculer. Moi, je m'en fous, de toute manière. Il avait un sceptre. Soin majeur. Je sais pas si c'est celui que j'ai ou pas. Sinon, je suis content. Non, je peux pas ces trucs-là, je peux pas. Je peux pas les regarder dans les yeux. S'ils en ont. Tout seul, ça va. Je vais essayer d'en combattre un, voir ce que ça... Non, il y en a deux, là. Putain, mais ces trucs. Oh, c'est une chope, ça. Attends, juste. Voilà. Soin majeur. Soin majeur. Ah non, c'est parce que j'ai moi j'ai soin. J'ai soin. Il faut 25 de fois. Et vous pensez que je vais arriver à 25 de fois vu comme je répartis mes points n'importe comment là? Moi je pense pas. C'est quoi cette espèce d'effet turquoise là? C'est la grotte qui est comme ça? Ça me donne pas envie d'aller dedans en tout cas. Merci. Corps des fleurs bêtes. Fête. Alors du coup je vais voir forcément. Là, pas du gain. Qu'est-ce qu'il y a au bout là? J'arrive pas à voir. Mon dieu, où est-ce que je suis? Est-ce que Dieu m'a oublié? Ah! Vous aimez bien vivre là, bande de saloperies. Non, il y en a une autre. Oh non! Non, non! Je peux me faire piétiner à mort par ces trucs là. Non! Hop, sans respect. Voilà. Bouze, bouze. Merci, merci, merci. Ah, salut. Oula. Non, pas les chopes. Je suis pas sûr hein, que c'en soit une, mais... Des chopes, je veux dire. Rien. Rien. Salut. Non, mais ça va, deux par deux, mille par mille. On s'en sort plus, là, si vous êtes autant à chaque fois. Hein. Je vais pas faire bien loin, en plus, là. Ouais, je peux pas fuir du tout même. Ça, elles sont prenables à deux. Ouais, carrément même. Je vois bien qu'il y a un petit escalier là. Mais moi j'ai envie de continuer la lutte. Voilà. Putain, ça se tue tellement facilement, c'est une honte. Là je saurais pas lequel est un mur invisible, donc bon. Je vais pas tous les tester, je vais pas vous faire cet affront. Quel est en a 1000 par contre. Ça va pas réveiller les autres, c'est bien, sommeil lourd. Ok, ouais, calmons-nous. Mes yeux. Là, pourquoi il y en avait 1000? Pas de passage, rien. Est-ce que j'ai oublié du loot ici? Je pense pas. Je vais pouvoir continuer ma route tranquillement. On dirait qu'il y a un passage là, mais non. Cendre couverte d'excréments. Bon bah elle va être contente quand je vais lui ramener ça l'autre. Je vais voir ça. Puis on aimerait pourtant pouvoir sentir à nouveau, ne serait-ce qu'une dernière fois. Ok. Chacun ses goûts. Il y a un truc d'astuce là, une potion d'astuce, trop bien. Ami droit devant, donc soupe nécessaire. D'accord, donc il pose des petites zones de réconfort maintenant dans ces jeux-là. Allez hop, une petite soupe d'astuces, merci. C'est toujours plaisir, rien que pour l'attention. Je me sens spécial à boire ma soupe d'astuces. Faut que je retourne dans les marais après. Attention, tueur d'élite. Que ça. Ah bah tiens. Ça fait très Anor Londo ça. Est-ce que je retournerai pas dans les marais avant de continuer ici et me faire def? Attention monstre, et donc essayer de saisir à deux mains. Ah ok, il parle du tableau de... Guinevere ou Guinevere, je sais plus comment elle s'appelle. Tu vois, il est noir encore.
Je vais te backstab, j'avoue, c'était méchant. J'espère que t'as enjoy ça. C'était environ mes 10 coups que je t'ai mis là. Ok, très mal fait. Je me rappelle, cette attaque a été déjà dans les autres. Oh, j'ai eu de la chance, mon coup m'a protégé. Non, ça c'est fourbe. Armure de chevalier d'argent. Enfangement et bénédiction divine. C'était pas n'importe qui. Ouais, ça, c'était un personnage important dans le... Dans le premier, c'était la fille de Guinevere. De Gwyn. Donc voilà. Et lui, il disait... Et donc il s'est saisi à deux mains, en fait, c'est parce qu'elle avait des énormes boobs dans le premier. Et c'était fait exprès, hein, d'ailleurs. C'est là qu'on sentait que c'était un jeu Jap. Toi, je vais aller défoncer là avec ton... Ah ! Comment ça, les flèches me suivent ? C'est la grosse séquence nostalgie, là, dans cette partie-là, j'ai l'impression. Pardon ? Ah. Il y a du gif dans les urnes, sérieux ? Là, il y a la chaîne, il y a la chaîne. Il y a la chaîne. Parce qu'avant, il y avait un truc avec la chaîne pour la reconnaître. Ok. Bénédiction divine. Mais dans le premier, vous savez, il y a des gens qui disaient avec la chaîne ou je sais pas quoi, mais au final, en fait, on voyait les dents qui dépassaient grâce à un bug graphique, donc... Oh, grand marteau de smoke. Et là, c'est... Hansin, un os du lion. À la limite. Ce marteau, vous allez voir la tronche du truc. Ça n'a pas de sens. 45 de force déjà, voilà. Salut. Eh oui. Oui, oui, tu peux faire ça, tiens. Oh, bordel. Je sais pas ce que ça fait, mais bien joué. Putain, ça doit être... Ça doit faire tellement de dégâts. Moins 82, parce que du coup, je peux pas le porter. Le dernier chevalier qui défendait la cathédrale en ruine. Ses attaques restituent des PV, une faculté certainement héritée du... passé de bourreau de Smaug. D'accord. Et j'ai drop autre chose aussi. Non, c'est pas ça. C'est ça. Qui était l'anneau du lion. Je crois que c'est pour les ripostes, un truc comme ça que ça améliore. Contre-attaque des stocks. Voilà. Ancien était le plus important des chevaliers de l'aîné solaire et l'on dit que sa lance qu'on l'a vu percer. Et l'on dit de sa lance qu'on l'a vu percer la roche la plus dure. Ouais, c'était deux légendes en fait qui gardaient à Norlondo. C'était souvent considéré comme un des boss les plus durs du premier jeu parce qu'en fait ils étaient ensemble les deux. Ce qui rendait le combat assez compliqué. C'est pas le boss sur lequel j'avais eu le plus de problèmes, bizarrement. Ok. Ah bon ? Ok. On va tous se calmer sur cette attaque là. Il fait semblant d'être un archer et en fait il m'a empêché de le backstab. J'ai commencé à faire l'animation, ça n'a pas fonctionné. Il m'a calmé. Il y a eu un manque de coordination flagrant de ma part. Putain, il se fait des dégâts lui-même là. Ah bah oui, il est dans le truc de givre. Reste dedans un peu. Mais oh, tu me respectes ou pas? Je suis juste devant toi. Ah, congélation, tiens, on est parti. Alors, pour ça, il faut que j'utilise les chaînes comme ça, c'est ça? Annule la congélation. Ouais, mais ça me fait pas de dégâts. Grand arc de tueur dragon. Putain, c'est pas mal là, tout ce qu'on récupère. Pas mal du tout. Merci. Non, on va se calmer avec la torche. Est-ce qu'il va pas m'entendre? Avec les gros échos et tout. Non mais j'arrive plus à les backstab dans celui-là, c'est dingue. Allez, à plus. Putain, ils ont de la vie ces cons-là. Hein. Non, calme-toi avec ce combo là. Regarde-moi ça, c'est ridicule. Là, t'es dead. Non, t'es pas dead. Mais j'en ai marre d'arriver tout le temps à ce niveau-là de vie pour eux. Voilà, restez à terre. Ah non. En fait, maintenant, j'ai dit que c'était ça. Bon, fragments de titanite 2, tiens. Voilà, ça, c'est pas des gens qui laissent des fragments de titanite. C'est quoi, ça? Non, mais oh. Ça, c'est des chevaliers comme on en fait plus, moi, je vous le dis. J'aime pas ce qu'ils foutent là, d'ailleurs, au niveau du lore. Est-ce que c'est pour indiquer que cet endroit, en fait, c'est là où il y avait un Orlando avant? Je n'ai aucune idée. Qu'est-ce qu'ils vont dire comme conneries? Pour Anjoura. Pour coffre ou rat? Ah oui, mais les coffres sont au-dessus. Malin, petit malin. Pourquoi elle ressemble cet endroit là? Ouais, non, il ressemble comme un bâtiment. Ah, un bâtiment comme un autre ici, je suppose. Y'a pas un loot en bas là.
que j'ai à redescendre. Non, c'est bon. Bonne chance. Non, mais je suis trop loin là, il faut un feu. Ok. Ok, c'est des doges. Mais ils ont abandonné quand ils ont vu que je suis comme un lâche. Non, comme j'ai dit, je pense que je vais retourner au marais. Il doit y avoir un feu quelque part là-bas, c'est pas possible. Alors, il y a un feu caché derrière un mur invisible, c'est un truc qui est arrivé dans les premiers. Enfin, dans le premier. Là, petit passage là, peut-être un raccourci. Fleur verte, bah oui, super. Qu'est-ce que c'est que cet endroit en haut là? L'endroit où je suis en fait. Est-ce que c'est pas l'Ichefeu là-haut? Il y a le voie des arbres sur une baraque, donc je sais pas, une tour un peu pétée là. Non, c'est pas l'Ichefeu, je pense. Sinon, je verrai cette ville en dessous, ou alors à moins qu'elle soit dissimulée par les illusions. Ah, on va aller là-bas, tiens. Là-bas, il y a rien, je suppose, j'espère. J'ai la flemme d'aller jusqu'à là-bas en fait. Ici là, ah voilà, putain, ça m'aurait fait chier de passer à côté de ça. Je vais même pas lire le message, je savais que c'était un troll. Pouf! Putain, là je fais des âmes là hein, pour le coup. On est parti. Les cheveux, on va augmenter. J'ai 17 000 là, j'ai pas une âme parce que bon, ça me fait chier là. Si j'en ai une. Ouh, loué soit le seigneur. 3000 en plus, parfait. Oui, oh. Ah non, ça va. Je m'en sors assez large. Il me manque un niveau pour porter l'espadon d'exilé. Pour un peu changer de style de jeu, je suppose. Ça se trouve, autant... ça va être tellement importable, quoi, 17 de poids, mais bon, on va voir. On se mettra en slip s'il faut, on verra si c'est jouable ou pas. En tout cas, on essaiera. Il y a une team, ils s'attendent du dernier moment, c'est lâche. Oh, t'as vu? Rien, il m'a lancé une dynamite, mais ça m'a fait ses 20 dégâts, ça va. Pense bien à la dynamite, tiens, ils sont tous les deux près de toi. Bon, ok, là ils sont deux. Et ils sont tous les deux près de toi, tu lanceras la dynamite. Avant, fais leur des petits dégâts, tranquille. Il essaie de me taser, il a fail. Ah, le con.